Gloire à Dieu pour la semaine qui commence. Dixit une fois, l'évangéliste Jean-Luc nous a dit, celui qui sait prendre le temps d'être devant Dieu à genoux saura être debout devant les hommes. Alors que nous apprenons à être devant Dieu au début de la semaine, Dieu fera ce que nous soyons debout pendant toute la semaine. Amen. Nous allons prendre nos hymnes et louanges au numéro 106 et nous allons nous lever, chanter avec joie. Et après l'hymne, nous demanderons à l'ancien Albert qui va s'approcher pour faire la prière d'intercession. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur. Chant. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'un jeune âge le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire, tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire, tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi que l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Au cœur sous ta bannière et le peuple racheté qui marche dans la lumière vers la céleste cité. Ah oui, loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire, tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire, tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire, tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire, tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos voeux. Sur la nuit étincelante, tu viendras à nous des cieux. Yahweh, loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire, tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire, tes bienfaits. Prions l'Éternel. Yahweh Elohim, notre Dieu, nous venons au devant de toi ce matin pour te rendre gloire et hommage, pour t'adorer Seigneur notre Dieu, pour tes hauts faits. Voilà que tu nous as gardé Seigneur notre Dieu durant toute la semaine qui vient de s'écouler. Cette nuit tu as été avec nous et tu as permis que nous puissions Seigneur voir cette nouvelle semaine, ces beaux jours, laisse que ton Saint-Nom soit glorifié. Au devant de toi, nous venons, Seigneur, pour demander ton assistance, pour demander ta coordination dans tout ce que nous allons faire et entreprendre dans cette nouvelle semaine qui est devant nous. Seigneur notre Dieu, raison pour laquelle nous avons besoin de l'assistance de ton esprit. Nous voulons être conduits par toi, Seigneur. Nous voulons, dans tout ce que nous allons poser comme acte, que cela puisse refléter ta présence et ta gloire.
Ce matin, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te recommander quiconque est connecté à toi, Seigneur, dans ce programme de vigile matinale. Laisse que, Seigneur, notre Dieu, tu puisses lire le cœur de tout un chacun. Que tu puisses, ô éternel notre Dieu, scripter la pensée de tout un chacun. Seigneur, que tu puisses donner solution aux multiples questions sans réponse que tes enfants sont en train de se poser. Dieu de paix et d'amour, laisse que tu sois le Dieu qui nous conduit en toutes choses. Père de justice et de bonté, nous voulons que tu puisses regarder et jeter un regard favorable sur notre pays. Dieu de paix et d'amour, tu nous as donné ce pays pour que nous puissions jouir de tout ce que tu as mis comme richesse, de tout ce que tu as mis comme potentialité dans ce pays, Seigneur. Permets que nous puissions jouir de cela. En ce moment, nous nous rappelons, Seigneur, de nos frères et sœurs, ça et là, qui sont traqués, qui manquent la paix. Seigneur notre Dieu, laisse que tu puisses les garder et les protéger. Leur donner, Seigneur notre Dieu, le moment de vivre encore en paix avec toi. Éternel, ce matin, nous voulons t'entendre nous parler. Laisse que tu puisses, Seigneur notre Dieu, notre Père, utiliser puissamment l'instrument que tu vas utiliser ce matin. Fils d'homme de sa nature, tu le connais mieux que quiconque, Seigneur, alors que tu l'as appelé dans ta vie, laisse que tu puisses le remplir de ton esprit, afin que les oracles qui pourront sortir de sa bouche émanent de ton temps de gloire. Sois béni, sois glorifié, toi qui vas commencer avec nous ce programme matinal et qui va le clôturer avec nous au nom et par l'amour de notre Sauveur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans un nouveau programme. Nous allons dans le programme Yasika qui commence aujourd'hui. Oui, salut Kobandalelo. Qui remplace la vigile matinale. Oui, salut Kosuesika ya ba programme ya Tongo. Qui est intitulé la Bible au quotidien. Oui, salut na motuna yango ete Biblia na mokolo na mokolo. Parce que non seulement nous avons besoin de la vigile matinale remettre nos programmes entre les mains de Dieu. Mais toute la journée, nous avons besoin de l'intervention divine. Et parce que nous avons besoin de l'intervention divine, c'est pourquoi maintenant ce programme change. À partir d'aujourd'hui, la Bible au quotidien. Biblia mokolo sima na mokolo. Même si vous recevez ce message le matin, atako kozwa tango oyo na tongo, rappelez-vous de ce message à midi et le soir. Izongisa ya makanisi likona sango malam oyo na midi pe na pokwa. Pour que vous puissiez marcher dans la crainte Wete, de l'Éternel. Na kobanga nkolo. Le grand thème de cette semaine. Mama likambo monene ya aposo oyo, l'écrit des prophètes. Koganga ya basakoli. L'écrit des prophètes. Bogangi ya basakoli. C'est contradictoire lorsque beaucoup de gens se font nommer des prophètes. Ezali kopesa na mokongo tango bato ba komitia komibianga bango moko basakoli. Aujourd'hui, vous voyez sur plusieurs portes de la capitale de Kinshasa et à travers le monde où on écrit prophète X, prophète Y. Mes frères et sœurs, un prophète ne peut pas se nommer. Nous savons qu'à l'heure actuelle, notre plus grand prophète c'est qui? C'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, tous ceux qui parlent au nom de Jésus-Christ sont des assistants de Jésus. Sont des sous-maîtres. Mais le véritable maître, c'est Jésus-Christ. Les prophètes parlent au nom de Dieu. Ils donnent des avertissements. Et
Il est vrai que le peuple de Dieu depuis longtemps avait été opprimé. Et Jésus et Dieu avait envoyé ces instruments pour rappeler aux autorités leurs responsabilités. Parce que avant que Dieu ne frappe, il parle toujours à son peuple. Il parle toujours aux autorités. Lorsque les enfants de Dieu sont opprimés, sont en difficulté, et lorsque ce peuple reconnaît qu'il y a un Dieu qui est capable de les secourir, Dieu envoie ses instruments pour donner des salles aux autorités afin qu'ils mettent enfin aux atrocités qui subissent son peuple. Et Michée au chapitre 6 verset 8 il nous dit ceci. Michée chapitre 6 verset 8 on t'a fait connaître ô homme ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Première chose, pratiquer la justice. Deuxième chose, aimer la miséricorde. Et troisième chose, marcher humblement avec ton Dieu. Mes frères et sœurs, si nous voulons être des bons dirigeants, du plus petit au plus grand, il y a trois choses qui peuvent nous aider à être des véritables dirigeants. La première chose que nous devons faire, la première chose que nous devons exploiter, la première chose que nous devons promouvoir, ce que nous sommes en train de faire, c'est de pratiquer la justice. Lorsque nous pratiquons la justice, même quand nous ne serons pas là, les gens parleront. La justice parlera à notre place. Et la deuxième chose, c'est la miséricorde, l'amour. Mes frères et sœurs, dans tout ce que nous allons poser comme acte, autorité jusqu'à la grande autorité, nous devons avoir l'amour du prochain, l'amour de notre peuple, l'amour de nos collaborateurs. Et la troisième chose, c'est la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire marcher humblement avec Dieu. Lorsque nous avons la crainte de l'Éternel, nous allons être des beaux dirigeants. Aujourd'hui, nous allons exploiter seulement le premier, la pratique de la justice. Une question m'est venue à l'esprit. Est-ce que nous avons la justice sur cette terre? Est-ce que nous avons la justice? Nous ne sommes pas là pour nous juger les uns les autres. Mais regardez ce qui se passe autour de toi. Et tu peux te poser la question. Si tu es magistrat, si tu es autorité, si tu es père de famille, est-ce que tu es en train de poser des actes de justice? Même autorité de l'église, est-ce que tu es en train de poser des actes de justice? Où est la justice? Wapi bosembo? Ça, c'est notre thème d'aujourd'hui. Wana mama likabona biso tongo na lelo. Dans ce grand thème, l'écrit des prophètes. Bogangi ya basakoli. Mes frères et sœurs, Badeko baso mibale. Nous pouvons y réfléchir. Tokoyoko banza. L'argent que les nations investissent dans les armes. Misolo oyo batubako tiaka. Si cet argent est investi dans la justice, pensez-vous qu'il y aura des cris de guerre, des bottes de guerre par-ci,
des troubles passés par là. Les nations sont en train de dépasser beaucoup d'argent dans l'achat des armes. Mais je pense que si nous sommes des autorités à vérifier, si nous suivons ces trois paramètres, la pratique de la justice, l'amour de la miséricorde, la marche dans la crainte de l'Éternel, si ces trois paramètres sont réunis dans la vie des autorités, de la plus petite à la plus grande, au lieu d'investir de l'argent dans les armes, nous allions les vestir dans la justice, dans la crainte de l'Éternel et dans la marche de la crainte de Dieu. Et si cela est fait, il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de troubles. Mais s'il y en a, c'est parce que d'abord nous-mêmes, nous nous sommes investis dans l'injustice. Le prophète, alors qu'il parle au nom de Dieu, il donne des avertissements contre les maux de leur temps, contre les maladies, contre les mauvais comportements que Dieu est en train de constater. Et il s'applique à ce que la société soit plus juste à s'inspirer de la loi de Dieu. Si nous voulons être juste, si nous voulons appliquer la justice, nous devons d'abord s'inspirer de la loi de Dieu. Et la loi de Dieu est très claire, mes frères et sœurs. Et la meilleure constitution, c'est dans la loi de Dieu. Et si toutes les nations peuvent pratiquer la loi de Dieu, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de troubles, il n'y aura pas d'injustice. Mais qu'est-ce qui se passe sur la terre? Désolation, pas sur désolation. Désolation, pas sur désolation. Le plus grand écrase le plus petit. Et c'est comme ça que pendant ce trimestre, nous sommes en train de mettre un accent particulier sur les opprimés. J'étais très content parce que l'auteur, il a mis un accent particulier sur le savoir. Même si il y a des savoirs, mais il y a le maître de la justice, amen, qui est Jésus-Christ, et c'est lui qui vient intervenir à tout cela que nous appelons les savoirs. Peut-être que vous avez été savoir, sachez qu'il y a quelqu'un qui est en train de plaider ta cause pendant le règne des rois d'Israël et de Juda. Une des réponses de Dieu était d'envoyer des prophètes pour exprimer sa volonté et rappeler aux dirigeants israélites et au peuple leur responsabilité de prendre soin des membres oubliés de leur société. Les membres oubliés de l'Église. Mes frères et sœurs, chacun d'entre nous a sa brochure. Et nous sommes en train de parler de ces plus petits, les nécessités, les opprimés, ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont sans voix. Il y a quelqu'un qui part à leur place. Et lorsque vous les opprimez, sachez que vous êtes devant le tribunal céleste, parce que ils ont un avocat qui est en train de plaider leur cause. Et aujourd'hui, si vous êtes opprimé, viens te mettre au pied de Jésus-Christ, parce que lui est capable d'intervenir pour ta cause. Rappelez-vous de Joseph, parce que les opprimés ont été opprimés depuis très longtemps. Joseph, qui était un homme qui marchait de la crainte de l'Éternel, vous allez voir
à cause de l'impudicité de la femme du général. Joseph se retrouve à prison. Joseph a côté boloko. C'est un homme opprimé, mes frères et sœurs. Mais il a tenu bon. Parce qu'il savait qu'il y a un Dieu au ciel qui va résoudre son problème. Et fait de fait. Le Seigneur Kolo l'avait délivré. Akango lakiye. Luc. Bokanana Luca. Chapitre 18. Chapitre Nango 18. À partir du premier verset. Kobana verset Nango Alboso. Nous allons lire la parole de Dieu. Et vous allez constater que l'injustice a commencé depuis longtemps. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait de garde pour personne. Vous voyez déjà que dans notre verset de Michée chapitre 6 verset 8, un juge qui ne craint pas Dieu, c'est déjà un problème. Parce que nous sommes en train de parler de trois choses qui fera ce que des responsables soient des véritables dirigeants. Maintenant, ces juges, ils ne craignaient point Dieu et n'avaient point de garde pour personne. Et le verset 3, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Cette veuve avait raison. Mais cette veuve était le plus petit. Cette veuve était opprimée. Cette veuve était écrasée par le plus grand. Et cette veuve n'avait pas d'issue pour avoir justice. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle importunait seulement les juges. A tungi saki kaka koleka mosambisi. Le verset 4 nous dit. Verset 4 le dit. Pendant longtemps, Batangwebele, il refusa. Mais ensuite, il dit à lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je ne dégare pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Question que nous devons nous poser. Est-ce que ces juges qui ne craignaient pas Dieu ne connaissaient pas les droits? Ils connaissaient les droits. Et ils savaient que la veuve avait raison. Tous ces juges, tous ces magistrats qui sont en train de prononcer des faux jugements, ils connaissent la vraie raison. Ils savent qui a raison et qui a tort. Mais parce qu'ils ne veulent pas rendre justice parce que ils ne marchent pas dans la crainte de l'Éternel, ils se permettent de ne pas pratiquer la justice. Et c'est cette souffrance que nous avons sur cette terre maintenant. Et c'est pourquoi nous posons la question: où est la justice? Où est la justice? Pour qui devriez prononcer la justice? Pourquoi vous avez oublié les termes de référence de votre prestation de mes frères et sœurs, les hommes de justice, lorsqu'ils prêtent serment, c'est au nom de la justice et non pas au nom de l'injustice. Mais pourquoi ils ont oublié leur terme de référence de justice? Au point qu'aujourd'hui sur la terre, il y a désolation sur désolation à cause de l'injustice. Il y a quelqu'un qui me disait, on lui avait volé le téléphone au grand marché. Baibaka et téléphone au grand marché. Na wenza monene na zando. Et lorsque il a essayé de
de demander comment les choses se font. Mais il a constaté qu'il y a une certaine collaboration entre ceux-là qui prennent les téléphones avec ceux qui doivent sécuriser les peuples. La société, lorsque elle manque la justice, c'est une société qui est vouée à l'échec et à la mort. Que ça soit au niveau du foyer, que ça soit au niveau de la collectivité, que ça soit au niveau du pays, mes frères et sœurs, toute organisation qui n'a pas la justice, c'est une société, c'est une organisation qui échoue, c'est une société qui est vouée à la mort, à la disparition et à l'échec. L'injustice nous amène à l'échec, mes frères et sœurs. Et si nous voulons avoir un pays fort, la justice, rien que la justice. Un pays où il y a l'injustice, rien ne peut marcher. Un pays où il y a l'injustice, c'est la malédiction sur la malédiction. Une organisation, il y a l'injustice, à la parole de Dieu. Un avertissement était donné à Michel. Mes frères et sœurs, nous allons analyser à travers la semaine quelques prophètes et leur émission sur cette terre. Lorsque je lisais les prophètes vous allez voir que les prophètes s'élèvent contre les pillards qui profitaient de l'exil à Babylone pour piller le terre. Et nous allons voir une série de prophètes et leur mission. Vous qui vous proclamez prophète, faites attention. Le plus grand prophète que nous avons, c'est Jésus-Christ. Parce que ce prophète a dit: aimez-vous les uns les autres. Le verset 5. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Cela veut dire que ces magistrats, ces juges, connaissaient la justice, connaissaient la vérité, connaissaient qui a tort et qui a raison. Mais parce que c'était un plus petit, j'imagine que ces juges avaient déjà reçu les bons évêques du temps adverse. Ceux qui tuent la justice, c'est d'abord les pots de vin. Dans toute société où il y a la corruption, il n'y a rien qui peut marcher. Et même la corruption que nous recevons, c'est une malédiction. Ce sont des cailloux, ce sont des pierres, ce sont des caillasses que nous donnons à nos enfants. Ne pensez pas que ce que nous recevons de la corruption, c'est une nourriture que nous sommes en train de donner à nos enfants. Non, ce sont des pierres, ce sont des cailloux que nous donnons à nos enfants. Et c'est comme ça que ces juges, un mauvais juge qui recevait les bons de vin du cas adverse, au point qu'il avait opprimé cette femme alors qu'elle avait raison. Tu sais qui a raison, tu sais qui a tort, tu as la loi entre tes mains. Pourquoi ne pas prononcer un véritable jugement? C'est parce que tu es juste. Mais Dieu a besoin des hommes justes, des véritables juges qui se réfèrent à la parole de Dieu, qui s'inspirent de la loi de Dieu. Et chaque juge qui s'inspire de la parole de Dieu, c'est un véritable juge. Je ne dis pas que le véritable juge n'existe pas. Non, le véritable juge existe aussi. Mais
Kasi, ils ne sont pas nombreux. Verset 6. Le Seigneur ajouta: attendez ce que dit les juges et lobby. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est à cause de cette question que nous nous sommes posé la question. Où est la justice? Où est la justice? Mes frères et sœurs, partout où nous pouvons nous retrouver, pratiquons la justice. Partout où nous pouvons nous retrouver, pratiquons la miséricorde. Partout où nous pouvons nous retrouver, marchons dans la crainte de l'Éternel. Et là, nous allons être des véritables responsables. Du plus petit au plus grand, c'est trois choses demain. Et nous allons les exploiter toute la semaine. Parce que mon souhait est que cela puisse être dans le cœur, dans la vie de chacun. Chacun d'entre nous. Rassure-toi que même si on t'a opprimé, le Seigneur dit: je suis ce Dieu-là qui te fera justice. Amen. Même si on t'a opprimé, même si tu es troublé, continue à mettre tes genoux au service du Seigneur. Rassure-toi qu'à partir de ces genoux devant le Seigneur, Dieu te fera justice. Et lorsque Dieu te fera justice, tu seras parmi les hommes et les femmes heureux sur cette terre. Prends courage. Sache qu'il y a encore un Dieu qui va s'occuper de ton problème. Même si les juges ont refusé de le faire, parce qu'ils ont réussi de pas de vrai, mais il y a un Dieu qui connaît que tu as raison. Et tu as raison. Et il parlera à ta place. Parce que tu ne sais pas parler. Dieu seul parlera pour toi. Et je voudrais qu'il puisse parler pour toi pendant cette semaine. Là où les hommes ont refusé. Là où les hommes t'ont troublé. Là où les hommes t'ont ravi. Tes droits. Sache que cette semaine, il y a un Dieu. Amen. Qui va te remettre dans tes droits, qui va te remettre tes bénédictions, là où l'ennemi avait ravi tes bénédictions. Cette semaine, il y a un Dieu qui va encore te remettre tes bénédictions. Il va te restaurer, il va te rétablir au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons chanter le premier strophe. Donc on va premier strophe à 106. Et nous allons prier. De Tokobonde là. Vais-toi monte notre hommage. Chant. Vais-toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge le réfuge du péché. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire, tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire, tes bienfaits. Père tout-puissant, éternel Dieu des armées, il y a beaucoup de personnes sans voix. Ils ne savent pas où aller. Il n'y a personne pour intervenir à leur faveur. Des opprimés sur toute la terre, Seigneur. Écrasés par les grands. Mais Seigneur, ce matin et aujourd'hui, comme le soir, tu nous rassures que tu es encore là pour parler à notre place. Tu es encore là pour intervenir, Seigneur, et tu es fidèle
pour accomplir tes promesses. Et c'est pourquoi, Éternel des armées, alors que la justice manque sur cette terre, nous te prions de venir intervenir pour quiconque est opprimé, de venir intervenir pour les plus petits, de venir intervenir pour les veuves, les orphelins, de venir intervenir pour ceux-là qui n'ont pas de force, Seigneur, parce que nous savons que là où tu te places, personne ne peut s'hasarder. Aujourd'hui, comme cette semaine, nous remettons ton peuple entre tes mains. Nous te prions, Éternel des armées, de rétablir chacun d'entre nous. Que tout ce que l'ennemi nous avait ravi, Éternel Dieu, que tu puisses nous le remettre au nom de Jésus-Christ. Que ta paix et ta miséricorde nous accompagnent tout au long de notre vie sur cette terre, au nom de Jésus. Amen. Bonne journée.